Toi, tu as récupéré donc tout ce que tu as, tout ce que tu voulais, hein? Oui. Je demande s'ils peuvent désamorcer le piège là du tiroir. Bah, tu vois qu'il rentre un deuxième corps, hein. Ça fait très jeu vidéo, tu sais, où dans les jeux d'infiltration, tu mets les cadavres tous dans la même pièce. Allez, là, on le met sous la table. Personne ne verra, il y a les pieds qui dépassent à 10 mètres, mais c'est pas grave. Donc, bah, toi, t'es là en train de chercher, par contre, à récupérer des balles en acier enchanté. Oh. T'as vu 20 balles qu'il était en train de confectionner avec de la poudre noire. Ça sert à quelqu'un tout ça, ce genre de choses? Je sais pas, en tout cas tout à l'heure, tout à l'heure. Ouais, De faire engloutir sous l'eau tout le complexe. Hein? Ouais. Attendez. Et c'est quoi, ils veulent inonder le complexe pour nettoyer tout le monde là. Oula. Parce que a priori, nous aurions les renforts qui arrivent. Vous permettez les gars, les balles, je pourrais peut-être en avoir besoin si je bricole un jour un truc à jour, gardez-les-moi, je vais essayer de chercher un balai dans la salle. Un balai, un seau, ça. Pour oui, nettoyer. Tu trouves, oui, il y a un seau, il y a un balai là-dedans. Ok. Je vais balayer. Alors attendez, donc pendant le même instant, il y a quand même Razor qui lui a récupéré d'autres trucs. Donc t'as trouvé une sorte de relique sur lequel qui devait certainement travailler plus tard, qui est sous une gangue de pierres. Mais c'est assez lourd à prendre. Ça fait bien un peu plus d'une dizaine de kilos facile. Je regarde, ça il faut qu'on le prenne. Qui c'est qui est assez fort pour le prendre? Il y a un collier bizarre sur lequel il travaillait certainement, qui tu vois qu'il avait mis dans un tiroir avec des signes kabbalistiques pour le protéger. Pour le protéger. Tu sais pas à quoi il sert cette protection. Mais tu peux l'ignorer, ses protections, et le prendre si tu le désires. Et il y a une dague et un anneau. Je pense qu'il est vraiment trop. C'est trop dangereux pour étudier tout ça ici. Il faudrait peut-être qu'on avance un petit peu, quoi. Je peux prendre le truc lourd si vous voulez. Donc je lui tends le truc lourd, la gang machin. Là. Ça marche. Donc c'est très encombrant hein, quand même. Hein. Ça, la taille, ça fait bien 1 m 20 quoi. Je pense que je suis le plus costaud du groupe, donc je prends. D'accord, oui, mais ça veut dire que tu te mets un truc dans le dos, quoi, pour être discret. Voilà. Ah ouais. Voilà. Et sinon, donc il y a une dague étrange et un anneau. Plus le collier. Et puis, ah non, j'ai pas fini. Il y a aussi une préparation alchimique, donc tu as remarqué, il y a des cristaux en fusion. Tu comprends que voilà, ça a l'air d'être très chaud, etc. Tu sais pas à quoi ça correspond, et en gros, si c'est dans un sac ou quoi que ce soit, ça pourrait faire prendre feu le sac, par exemple. Ça peut avoir de la valeur, mais. Ah, c'est compliqué à transporter. Faudra une boîte en fer, quoi. Bon, Alors, bah écoute, je prends tout ce que je peux prendre, et le tu reste, prends ma tout. foi. Tu prends tout, Bah, ok. la dague, moi, je la prendrais bien si. Oui, non, mais attends, il faut d'abord étudier et savoir ce qu'elle fait. Ah, Avant de ok. vouloir d'y reprendre, machin. Tiens, au fait, j'ai pris des potions. Il y en a une rouge, une rose, une bleue. Ouais, il y a une verte aussi Une qui. bleue, une bleue, une verte, une rose. La verte, vous savez pas ce qu'elle fait? Bah si, j'ai étudié la rose, c'est le cauchemar, c'est ça, et C'est l'autre ça. c'est l'acide. Ah, ok. Ça Donc vous pourra avez servir un caché jour. le corps, vous avez Oui. essayé de dans le couloir, vous avez laissé le sang. Mais non, Non, Wachi justement. est parti essuyer. Ah, Wachi est Ouais, parti essuyer, d'accord. Ah oui, je suis Tu vas me pressé. faire un jet de discrétion, s'il te plaît. On a toujours la musique de combat, on est à fond. Si quelqu'un peut changer la musique de combat pour Ah bah la là faire c'est épique, passer j'ai à. pas les droits pour l'arrêter. Ah! Bah c'est épique, y'a un mec qui passe le balai.
C'est... c'est... Qu'est-ce que je dois faire pour passer à une autre musique? C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Comment ça se fait que t'aies pas les droits? Je croyais que tout le monde pouvait avoir les droits là-dessus. Bon. Bah, tu regardes les messages au-dessus, ce qu'ils disent. Oui, ils disent comme... Si j'ai fait stop, ça suffit ou... Ouais, c'est bon. Pour relancer, on relancera une musique plus tard. Donc, Wachi, t'es en train de faire, t'es en train d'essuyer. T'entends les gens qui vont passer dans le couloir, d'autres personnes. Et là, tu vois que t'as essuyé tout ce qu'il faut. T'as réussi à tout essuyer. Et t'as vu qu'il y avait d'autres personnes et tu as entendu Rémir en train de gueuler dans la langue des sagouins, donc tu comprends rien. Les gars, il y a Rémir, je crois. Ouf, j'ai le chaud un peu plus. Et une chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Il a fait. Normalement, les renforts devraient arriver. Ouais, ça, il est où, Rylan? Oh le con, Rylan, il est oui. Il est pas resté caché. Et pour rester caché, plus que je connais, il va encore essayer d'ouvrir le coffre qui a failli le bouffer. Coffre qui a failli le bouffer. Oh putain. Et quelqu'un a vu un truc qui ressemblait à une. Moins qu'il l'ait sur lui. Ce serait normal. J'ai pas entendu, ça a coupé en vrai. Oui. Vous avez entendu parler de la main de. Oui, celle qui est là, bah, celle qui est à la place de la main, oui, c'est ça qu'on cherche. Bah, celle qu'il a sur lui? Bah, oui. Sûrement. Celle-là même? Ah, bah oui, il a sur lui, oui. Alors, il faudrait lui tendre une embuscade dans le truc de torture. Pour l'instant, on va se calmer un peu parce que là, faut que je souffle deux secondes. Moi, je suis à moitié mort. Donc, vous savez que Rémir et ses hommes sont partis, il se passe quelque chose. Donc s'il y a personne qui est dehors, vous savez pas ce qui se passe. Hein. Ouais, du coup, je vais mettre à la porte. Allez, mettez un œil discrètement. Ah, il y a Phil et Hans qui y vont. Mais vous comprenez que si vous devez y aller, il faudrait vous amener dans le couloir, passer la tête pour écouter ce qui se passe, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit être discret et je vais m'en occuper. Ah, donc il y en a un qui a décidé d'y aller. Il y a Hans. Il y a quelqu'un d'autre qui va essayer de l'aider? Non, moi j'écoute juste à la porte, voir si j'ai entendu. D'accord, donc toi t'es juste à la porte. J'ai entendu que notre ami Vachi a décidé de rester plutôt calme et d'arrêter de faire n'importe quoi. Mais non, Razor, avec tout son matériel, qu'est-ce qu'il fait? Parce que bon, ok, j'ai bien compris qu'il pillait. Hein, c'est un pillard, Razor. C'est le mec bah, tout ce qui est magique. Il a pris comme ça, quoi. À moi. Alors c'est magique. Bah en même temps c'est magique quoi donc. c'est une bonne excuse. Et oui, c'est magique. Alors voilà merde, je le prends. Donc Razor, tu fais quoi avec tout ça? Est-ce que t'as un objet en particulier que t'essayes d'identifier ou... Oui, je vais commencer à y regarder après ce satané collier et voir exactement ce qu'il en. D'accord. Bah, je considère que tu pour juste te dire si oui ou non c'est peut être dangereux ou pas, ou utile, oui. Tu dois me faire un jet de mystère. Ça te dira pas exactement ce que ça fait, ça te dira si oui ou non c'est utile ou pas. Tu peux le faire devant tout le monde, ça me dérange pas. Le bot musique s'est barré. Le bot musique s'est barré, donc on va pouvoir relancer autre chose. On va remettre notre fameuse musique de on est en danger. Elle est sinistre, elle fait peur. C'est la même musique que toujours. Hop. Quelque part, c'est pas faux, hein. On a pris plein la gueule. Hein. On est en danger. Et puis on va mettre loop hein, parce que. Donc, notre ami Razor est en train de regarder, il voit le machin. Alors tu te dis que ça peut être utile, mais qu'en cas vraiment d'extrême urgence, parce que tu sens que par rapport à ce qu'est au glyphe que tu avais vu, ah tu franchement
Tu penses que c'est un objet qu'il faut utiliser qui protège, ça protège les gens, mais Ouais, mais clairement qu'il faut. tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, Tu sais pas ce ok. que c'est, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui pue. Oui, bon, ben, ça pue. Ok. Donc pour l'instant, donc Hans est dans le couloir, mais pour l'instant je le vois pas dans le couloir. Il est où là, Hans? Vous le voyez faire des roulés-boulés, utiliser les ombres. On le voit pas surtout. Je suis le Oui, c'est pervers. un D8, la potion. Ouais, j'ai Un jeté D6. quoi? Un D6. Oh, c'est nul ça, qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde. Oui, tu fais de la merde. Putain, j'avais bu 3 quand même. Je rejette Donc, ou... Bah bah voilà, je oui, tu fais moins. rejettes. Tu fais moins. Bah, elle était bien ma potion de soin Bah ouais, D6. D6. Bah écoute, tu es là et tu écoutes, tu comprends hein, le langage des poissons. Donc tu entends Emir fait ouais, je veux pas que moi et votre princesse soient dérangés. Nous avons des discussions importantes à faire. Tout à l'heure, je vous demande d'aller vérifier qu'il n'y a aucune attaque. Nous devons. Donc tu as dit, vous avez quelques minutes, vous partez. Je discute avec madame. On va certainement utiliser notre moyen de sortie si ça va mal, car nos hommes ne sont pas de retour et c'est pas normal. Et mes alarmes magiques m'ont indiqué que quelque chose d'anormal. Il dit, nous avons encore un peu de temps, donc préparez-vous simplement à recevoir les intrus si il y a quelques têtes brûlées qui auraient foncé jusqu'ici. Donc tu entends, les gars, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ne vous inquiétez pas, le matériel sera récupéré après après la chasse d'eau. Dès qu'il a fini, hop, je vais vite avertir mes amis. Donc tu sais à peu près qu'il est en train d'attendre, donc tu sais que tu as Ouais. encore quoi, un peu de temps quoi. Il a dit voilà que dans quelques temps, donc ça veut dire quoi, il y a tu penses que vous avez à peu près 10 minutes avant que Rimir arrive avec la princesse. Et que D'accord. les hommes sont en train d'attendre l'entrée de l'antre pour défendre l'antre. Voilà. Bah moi, je leur raconte, hein. Les gars. J'ai entendu, il va s'entretenir avec la princesse, peut-être dans sa chambre, et il a demandé aux gardes de se préparer parce qu'ils n'ont pas de nouvelles, ils se font attaquer, et qu'ils vont tirer la chasse d'eau si ça tourne mal. Je vais engloutir le complexe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on tend une embuscade à Rimir dans sa chambre? Mais elle est où sa chambre? On sait pas où elle est sa chambre. Je sais pas. Moi, je connais que la. On va dire Et Rilan, il est où? Je crois qu'il est resté dans la salle d'à côté. Il s'est planqué encore. Qu'est-ce Mais qu'il moi, y a dans c'est la salle d'à côté? un coffre qui essaye de bouffer les gens et une cheminée qui fait pas de feu, qui brûle. Bon, je sais pas. Une cheminée sous Une l'eau? Enfin. cheminée qui fait pas de feu. Enfin, je veux dire, Ça, une il faudrait aller cheminée. voir cette cheminée. Une cheminée qui fait du feu qui brûle pas. Oh, c'est sympa, hein. C'est vrai que ça évite les risques. C'est peut-être une sortie. Peut-être Je une vais salle dérobée. aller voir ça de plus près. Hein. Bon, c'est juste. Bon, oui, c'est déco. C'est un peu décoratif, ouais. C'est une cheminée Je qui vous fait. dis quand. Je vous dis quand il faut passer. Hein? Donc, je regarde et je les fais passer Ça quand marche. je sais Donc sûr. tu lui fais passer, c'est très bien. Donc tu leur permets de ne pas avoir besoin de jet de discrétion. Vu ton niveau, tu les fais passer au bon moment. Donc Razor, tu peux aller dans l'autre pièce si tu le désires. C'est fait, et je vais aller voir après cette fameuse cheminée. Eh bien, oui, toi, t'arrives, tu vas vers cette Putain, fameuse cheminée, Rilan, il tu a fais tout picolé. un jet de volonté. Ouf. Ok, donc toi, t'arrives et tu vois très bien que c'est une illusion.
Donc en fait, au moment, tu comprends que les illusions, hein, c'est, je les ai fait un peu différemment, mais en gros, même si tu y touches, ou tout du moins, en fait, tu y touches pas, c'est que ça te fait un jet de volonté où pour toi, c'est forcément des flammes, donc tu la touches pas, quoi. Tu dis, ah bah oui, c'est des flammes. Et toi, tu sais très bien, donc tu le montres à tout le monde, et là, tout le monde voit que ce n'est pas des flammes, donc tout le monde comprend que ce n'est pas que c'est une illusion. Donc tu remarques qu'il y a une sorte de tunnel. Et ben j'en profite pour sortir le plan et repérer ce truc. Donc bah, tu commences à repérer et là tu vois en effet des sortes de plans avec des griffouillis. Tu comprends qu'il y a des manettes. Tu vois une sorte de truc expérimental. Et ça ressemble vachement au sous-marin. Tu Ouais. comprends donc à peu près qu'il y a apparemment des manettes et tout pour faire ouvrir le sas pour que l'eau rentre pas. Ça a l'air d'être complexe hein, quand même. Hein. Et ça se trouve où? Après la cheminée, c'est ça? Après la cheminée, ouais. Il y a quand même quelques mètres avant d'y aller. Et tu comprends que il vous faut facilement à peu près 1 minute minimum pour placer une personne dans le sous-marin. Parce que c'est le bordel pour rentrer dedans. Mais on peut ne rentrer qu'à trois, c'est ça? C'est ça, il n'y a que 3 personnes et Hans ne peut pas rentrer. D'accord. Quoi, si Luigi, vous qu'on prend essayez une de le personne faire ou pas? rentrer, il passe pas, quoi. Je suis désolé, Hans, mais Ah non, non, tu passes non, pas. non, non. J'ai beau imaginer, le truc est déjà pas spécialement grand, donc voilà. Mais alors là, avec ton gras, ça fait pouf. C'est une pièce importante. Rimir va fort par là. Hey, vous voyez Ryan qui sort, ouais, il y a pas mal de boissons et tout. Hey, c'est super, vous allez voir les copains, franchement, il y a du super boisson, hein. Je sais pas ce que c'est, super content d'être ici, j'ai été mangé par un coffre, non, en fait, j'ai pas été, il y a Wachi qui m'a sauvé, moi, Ilan, je vais Arrête! super bien. Bon, tais-toi! Oui, chef. En tout cas, ça ressemble à une issue de secours. Est-ce que tu vois sur ton plan où Rimir s'entretiendrait avec Krakatoa? Quand je veux dire s'entretenir, je pense que ça fait longtemps qu'il l'a pas vu, donc il voudrait un endroit un peu intime. Si je peux me permettre. Je regarde autour de moi, je lui dis, bah, ici. Là, tu vois en effet que tout d'un coup, il regarde un petit peu, qu'il y a La peau de il y a la bête. peau de bête et tout. Quand vous regardez un petit peu les objets de plus près, vous voyez des objets un peu phalliques. D'accord. Ah. Ah tiens, j'en ai ramassé un comme ça, il en est en plus. Je sors le truc. Mais à quoi c'est censé servir? En tout cas, moi personnellement, je m'inquiéterais plus pour cette fameuse chasse d'eau, en fait. Hein. Alors, Je veux tu me fais un jet de dire. discrétion, s'il te plaît, Phil. Excuse-moi, j'ai dû couper par rapport à... Boîtier, vas-y, continue. Cette chasse d'eau, en fait, m'inquiète beaucoup plus. Hein. Je veux dire, si l'attire et que tout le truc est inondé, non seulement nous, on risque d'en prendre plein la tronche, mais et ceux qui arrivent aussi, en fait. Déjà qu'ils vont pas arriver très discrètement, vu qu'apparemment on les attend. Moi, j'ai vu à la salle de torture un fil. Il y avait un arrivé d'eau qui pourrait être une sortie. Ouais, sorti, mais on sait pas trop où, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ton plan qui pourrait nous indiquer une sortie? C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est ce que je cherche. Hein. Et oui, donc vous voyez en effet qu'il y a des galeries. Vous comprenez que les sorties. Vous prenez le temps, parce que vous avez 10 minutes, que votre ami Razor est quand même très intelligent, hein, il faut pas l'oublier. Razor a 21, 21, 21 en intelligence. Donc Vas-y, moi je prends l'eau. c'est un ordinateur quantique. Ah bah non, un ordinateur quantique qui est plus lent que toi, bien plus lent.
Oui, bah après 21, mais ça se trouve, il s'est buffé avec des bandeaux et tout ça. Moi, j'appelle ça du dopage. Tu vois, c'est. Zut, j'ai raté mon coup. Bah, ouais. C'était pour Phil. Voilà, j'ai envoyé à Phil, mais. Donc vous voyez qu'en fait à peu près les galeries, donc il y a bien une galerie qui part de la salle de torture, mais il y a une grille, vous le savez, mais sinon le reste, ben ça part, les sorties sont, sont, je vais vous mettre, parce que ça rame chez moi, il y a Booba, s'il est dopé, c'est une intelligence artificielle, bonsoir, salut mon Booba, j'espère que tu vas bien, donc là-bas, c'est en effet les sorties, du de principal de l'antre et le là où vous êtes c'est la sortie la petite porte quoi et ça correspond à quelque chose l'eau qu'il y avait dans le tuyau qu'il y avait dans le alors dans oui, ça correspond à quelque chose oui vous comprenez que passer par là c'est quand même assez tendu mais c'est peut être une sortie Ah bah il y avait une grille, c'est ça devant. Voilà, c'est ça que le truc, c'est qu'il faut enlever la grille. Il faut être capable d'enlever la grille. Je regarde dans mon sac, j'y mets, il y a de l'acide ici. On peut faire bouffer l'acide, bouffer la grille avec l'acide. Je confirme ah, c'est que, la, c'est la que l'acide... Potion bleue, c'est ça. Quand tu regardes l'acide et que tu vois la couleur et du truc machin, tu te dis que... faut surtout, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui doit faire très mal. Eh ben oui, mais bouffer la ferraille avec l'acide. Ah oui, oui, là, t'es sûr. Non. Ah oui, oui, t'es sûr que ça l'ouvre, sans problème. Si, voilà. S'il y a vraiment pour une personne, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, vous êtes sûr de pouvoir l'ouvrir avec ça. D'accord. Donc, Phil, hein, Phil, tu es parti dans le couloir, donc t'as remarqué. Tu as remarqué qu'il y avait une porte. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. J'aimerais bien mettre de la musique quand même parce que ça me manque. Bah là, normalement, t'as un truc qui tourne, mais. Mais j'entends rien. Bon, je vais mettre la musique en fond. Alors, donc Phil, tu remarques que la personne semble être partie un peu à la va-vite. Donc, la porte est ouverte. Ok. Je vais pas rentrer tout de suite. Je vais retourner dans la pièce précédente. D'accord. Donc, tu reviens dans la pièce précédente. Et le temps passe, hein. Je considère que ça commence à faire beaucoup. Vous avez vu Razor. Razor, on va refaire un tour de table pour les actions. On va donc Ouais, vas-y. Moi, c'est moi, je cherche une sortie sortie d'urgence. Hein, parce que... Donc tu vois que la sortie d'urgence, pas, hein. C'est le sous-main. Hein. Tu es sûr que trois personnes peuvent y aller et partir avec. Ouais, bon, on va dire. On attend Rimir. On le dépouille de sa main. Vous partez donc Razor, Wachi et Phil, vous partez avec le sous-marin et moi Iris passe par la grille. Bizarrement, je pense que Rémi on va pas se laisser faire comme ça et puis je pense pas. Alors on lui tombe dessus, on est 5. Hein. Il y a sa chambre juste à côté, la porte est pas verrouillée. Ouais, non mais. Il est peut-être pas tout seul en fait. Hein. Il sera peut-être pas tout seul. Il y a personne pour l'instant dans la pièce. Sakurakoa, s'il bosse. Ah oui, mais s'ils sont tous les deux et s'ils commencent à se forniquer ou quoi que ce soit, on leur tombe dessus en plein milieu de l'acte et je pense qu'on a moyen de. Ouais, tant que ça finit, l'autre il fera dodo. On aura que la fille. Alors là, la question que je vais me poser, c'est mais où est-ce que vous allez vous cacher pendant qu'ils font tout leur truc quoi. Il ouais, bah, y a pas sûr. Mal d'objets quand même dans cette salle, dans cette pièce. Bah, il faudrait aller voir la chambre déjà. Si on peut se cacher dedans. Et on. Ouais, bah, mais si la cheminée. Ils font ça ici. Parce qu'à priori, c'est plutôt ici. Il va faire dans sa chambre. Non, sa chambre, elle est de la... c'est la pièce d'à côté, sa chambre.
effectivement. Après, ah, s'il le fait. Pourquoi qu'ils ont l'habitude de faire l'amour ici? Oui, vu les accessoires, je vous assure que c'est vrai, c'est le cas. Et je pense que derrière la cheminée, cette illusion, si elle marche pour nous, elle marche aussi peut-être pour lui. Voilà, on peut se cacher derrière la cheminée. Ouais, mais s'il voit très bien les illusions, on n'aura pas l'air qu'on est à notre cheminée. Bah, et par exemple, moi qui me cache bien, je vais me cacher derrière le... Et un truc comme ça. Attends, sous la table. Gaffe, hein, tu vas prendre toute la place, je pourrais pas passer non plus. Sous la table, et... Et je vous fais signe que c'est bon. C'est un plan. Les 10 minutes vont être passées. Hein. Ouais, mettez tous derrière le. Derrière. Et je vous fais. Je vous fais signe en. Je sais pas moi. En lançant des bruits. Un truc. Non, mais en faisant glisser un truc dans l'illusion. Ouais, je sais pas, moi j'irais bien me cacher dans leur chambre, voir où. Sait jamais. Déjà voir ce qu'il y a dedans. Et il est sur le point de se faire attaquer, tu penses qu'il va aller dormir dans ta chambre? Ah non, mais s'ils vont dans sa chambre, tu fais comment? Écoutez, de toute façon. On a une chance sur deux, hein. Soit ils sont ici, soit ils sont dans la chambre. Après, je pense que s'il a fait venir sa demoiselle, c'est bien pour lui passer un petit coup entre les molaires, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, ils sont pas tout le temps, donc je pense que ça sera plutôt par ici, quoi. Sachant qu'il y a l'issue de secours juste à côté. En plus, voilà. Et s'il sait qu'il va se faire attaquer, raison de plus pour se mettre à côté de la sortie. Ouais, ok. Ouais, parce que s'il commence à faire ça ici, et qu'on est caché dans la chambre, là, on a des couillons aussi. Il n'y a pas de sortie de secours. Et le coffre, là, on peut pas se cacher dedans? Oh, surtout pas, Toi qui là, il est là, moi, je te déconseille. Et il est méchant, ce coffre. Voilà, je comprends pas trop ce qui se passe, mais je suis d'accord avec le groupe. De toute façon, Hans a été élu le chef. Alors, je suis avec lui. Je le fais bien, Rylan? Ouais, parfait. Je alors, me cache là. Est-ce que tout le monde est d'accord? On va faire Razor. Est-ce que Razor, tu es d'accord avec ce plan? Moi, je suis tout à fait d'accord. Ok, donc ça veut dire que tu vas devant la cheminée. Alors, tu vois que Rylan est très, très, très proche de la sortie. Hein. Hein, il voit le sous-marin, il a compris, il a beau être bourré, il a totalement compris ce qui se passait. Hein. Il est déjà dedans. Il est déjà parti. En fait, il a fait alors ça marche comment? T'as Razor qui m'explique, ok. Tu le vois déjà partir, tu sais. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Donc, Watchy, tu te caches aussi? Ouais, je me cache derrière le canapé. Je profite que je sois fin, tu vois, pour mettre juste derrière. Et d'accord. Puis au moins, je serai le premier quand c'est que les coups de bassin auront cessé, tu vois. D'accord. Donc tu prends le risque quand même d'être détecté. Hein. Oui. On est bien d'accord. Oui, bah... Tu fais un fer... Ouais, je te le fais tout de suite. Ou tu fais un... Tu peux faire un fer 10. Ou sinon, tu peux faire un jet de dé. Oh, j'ai un bon bonus. Je vais faire un fer 10. Allez. T'es à combien? Ça me fait 20. Attends, quoique... Oui, si, ça me fait 20, c'est ça. D'accord, donc on est bien d'accord, tu te rends compte que 20, c'est pas non plus énorme pour un mec en face de toi. Bah, en fait, ça veut aussi dire que si je lance le dé, je peux faire pire. Oui, mais tu comprends que potentiellement 20 pour un mec comme lui qui a traversé les trucs, etc., qui est mandaté par les la cabale. Ouais, va. Je suis gentil, hein, mais j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte en fait, qui est Rymir. J'ai le bandeau du pervers, donc ça m'étonne. Donc, non, mais laisse la chute, c'est Watchy. Bah écoute, oui, non, mais Watchy, oui, bon. Ah, ok, vas-y, tu es derrière ton canapé, si tu le désires. Je viens de me déplacer maintenant derrière, vu que. Ah, c'est toi qui. Ouais, vas-y, bref.
On ne se pas convaincu, mais bon, voilà. Si on se demande de le faire, bon, bah, je vais le faire, c'est le chef. Ah bah, de toute façon, j'ai jeté un dé pour voir s'il détecte quand même. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, avec son masque... Ça se trouve, je vais me faire détecter, hein. Avec son masque, il a plus de bonus. Alors, après, je pense qu'il sera un petit peu omnubilé par autre chose. Donc, vous le voyez... Alors, non, c'est ton jet de dé d'avant. Hein. Ah bon. Donc, tu es à 31. Si tu veux tout savoir. Donc, je vais vous montrer un peu son jet de dé, hein. Ou pas. Pourquoi il le montre pas? Bon, bah, ah oui, c'est parce qu'il est caché. Si je fais ça, non, ça marche pas. On peut pas le révéler. C'est con. Voilà, il a fait 25. Il a fait 25, donc il est là, il rentre avec sa dulcinée. Il dit, ah, oui, c'est mécréant, mais tu comprends très bien. On ne peut pas gâcher tous ces salopards. Il faut les laisser rentrer. Ah, mon amour, tu vas les faire couler. On va tous les noyer. Ça va être génial, ma poulette. Ah, j'aimerais bien faire ça en plein milieu de leur corps. Mais bon, tu comprends. Les affaires, faut pas prendre de risques. Ah, oui, mais bon... Et mon chéri, tout ça, vous voyez qu'ils discutent, hein, bien sûr, en langue sagouin, hein, donc ça veut dire que la plupart... Heureusement qu'il y a Phil qui est en train d'essayer de traduire à peu près aux autres groupes. Donc, bah, il commence à boire un petit peu, hein, tu les vois, il fait, oui, ah non, on va peut-être pas quand même tirer un... Il dit, non, on va peut-être pas tirer un coup, peut-être pas maintenant, ma chérie. Oh, il a fatigué. J'aurais dû mettre l'aphrodisiaque. Eh oui, vous l'avez pas mis. En tout temps, il y a pensé plusieurs fois. Hein. Mais de toute façon, il y a Rylan, il a vidé toutes les bouteilles, qu'est-ce qu'il boit? Non, il a pas vidé toutes les bouteilles. Donc, vous voyez qu'il veut pas... Razor, t'as toujours des trucs, là. Écoute, ma chérie, finalement, Doc, il prend les verres. On va attendre, tu vas prendre... tu vas prendre les objets, tu vas tirer les objets dans la pièce principale et faire en sorte de les attacher. Et moi, je vais envoyer la coulée pour justement éviter et éliminer tout ce monde. Et je fais, mais ils sont bientôt là. Je fais, oui, bah, il faut que j'attende quand même qu'ils rentrent. Donc, je vais attendre dans la salle principale et dès qu'ils y sont, je vais tirer dans ma chambre pour... tirer le rideau sur tout le complexe. Et bon, très bien. Je vais regarder les objets sont où. Il y en a trois qui sont très importants dans la salle de dans le laboratoire d'alchimie. Je te laisse aller les chercher et tu les récupères et surtout n'utilise pas le collier. Hein. Ne le mets pas à ton cou. Et donc tu le vois, il fait bon, allez, je vais m'occuper de ça, de tous les gaillards, et dès qu'ils sont là, c'est dans quelques minutes. Donc dépêche-toi, ma chérie, quoi. Dans une vingtaine de minutes, ils seront là. Oh, quelle merde. Donc vous le voyez partir en direction donc, de la grande pièce, et vous entendez que. Cara, quoi, une vingtaine de minutes, disons une dizaine de minutes. Et Cara quoi, elle est toujours là. Cara Cora, vous l'entendez, il dit bon bah c'est très bien, je vais aller au laboratoire et ensuite je m'en vais. Alors pendant qu'ils étaient là, j'ai fait un jet de perception moi, pour voir un peu. Ouais, t'as rien vu. J'ai rien vu de spécial. Bon. Quoi, après ça dépend ce que tu recherches en fait. Des choses qui pourraient m'aider. Déjà, je regarde un peu sa main là, pour voir un peu. Alors, sa main, tu vois que en fait, quoi, il la bouge un peu bizarrement. Mais, ça ressemble à la main de Jaime Lannister ou... Ouais, tu vois qu'elle est certainement. Quoi, elle est pourrie, quoi. Elle semble être morte. Ça a l'air d'être une main morte.
Donc tu vois qu'il a pas l'air de, tu vois, quand il touche sa femme, il n'utilise pas l'autre main, quoi. Tu vois qu'il manque des ongles, par exemple, à cette main. Voilà, ça a pas l'air d'être un truc. Mais elle bouge quand même. Hein. Mais c'est bizarre, quoi. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de sensibilité avec, quoi. Tu comprends bien que s'il se plante des trucs, il s'en fout, quoi. Il va peut-être même pas s'en apercevoir. Hein. C'est vu le truc. Ça a pas l'air de sentir mauvais. Hein. Quoi, ça sent pas mauvais. C'est juste en mauvais état. Ok. Quoi, la musique qui s'est barrée. C'est fou, ça. Et la fille, elle a l'air comment? Est-ce que quand elle se déplace de manière. Elle est svelte, ouais. Et arrogante, quoi. Elle est sûre d'elle, quoi. Elle a l'air plus dangereuse que Jean-Mi ou pas? Que Jean-Mi? Elle a vu le nez. Non. Elle a l'air d'être jeune et arrogante, quoi. Elle a pas l'air d'être spécialement forte, quoi. D'accord. On lui casse un ongle, c'est bon, quoi. Ouais, vous la voyez arrogante, quoi. Donc potentiellement, si elle a le dessus, elle aura jamais peur. Mais si elle est dans la merde, quoi. Après, ça, voilà, ça dépend. Tu peux faire un jet de psychologie, s'il te plaît. J'aurais dû dire ça, en fait. Je me dis, j'ai fait une erreur. J'aurais dû demander un jet de psychologie pour voir si vous voyez un peu la personnalité de la personne. Place, ça se motive. C'est bon, j'ai fait. Ouais, bah ça suffit, finalement. Donc, oui, bah tout ce que j'ai dit est en plus. Donc, tu dis. Il y a certainement moyen de lui faire peur. Ouais, on peut peut-être lui tomber dessus. L'intimider, tu penses que l'intimider pourrait très bien fonctionner. Si vous êtes pas tout seul, quoi. Si t'es tout seul, là, elle aura aucun problème à s'attaquer à toi. Non, mais si on est à 5 contre 1. Voilà, si vous êtes. Voilà, si vous pouvez lui faire peur. Ouais. Ouais. Ok. Piqué. Bon. Mais on peut pas laisser Rimir aller dans sa chambre, sinon. On peut pas surtout lui. Ouais. En tout cas, il faut surtout pas qu'elle se rende compte. Il faut la suivre. Je pense que si on lui tombe dessus, on peut lui faire peur et lui faire rendre les armes. Le problème, c'est après, on fait quoi? Eh ben, je pense que vu comment il tient à elle, moyen d'échange. Ça fera un otage et. Au moment où on l'aura lâché, il va littéralement lâcher les chiens sur nous. Razor, il y a plusieurs entrées dans la pièce d'à côté ou pas? Razor? Mais il est parti en AFK. Il est parti en AFK, Razor? Je sais pas pourquoi, ouais. Et en plus, il y a le micro coupé. Ouais, c'est seulement AFK, il te coupe le micro toujours. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Bah, je sais pas, l'air de. Et en plus, on peut pas lui parler, c'est con. Il est concentré. On lui parle, il fait. Je me casse. Je comprends pas pourquoi j'étais jeté. Hein. Mais bah non. Nous, on était là, on te pose une question, et là, t'as fait. Toudou. Bon, bah. On est parti en AFK, on sait pas pourquoi, puis genre, moi je me casse. c'est parce qu'en fait, j'avais pas parlé, au moment où je parlais, pof, je suis descendu. Alors non, je regarde, mais apparemment, il y a qu'une sortie. Oui, il y a qu'une seule sortie par là où il y a le sous-marin. Après, vous pouvez essayer de suivre le chemin du sous-marin, mais vous avez intérêt à faire un sacré d'apnée, quoi. Non, je demandais pour la chambre de Rimière, s'il y a qu'une seule entrée. Bah oui, toi t'as vu qu'une seule entrée. Oui, mais justement, je demandais à Razor par rapport à sa carte s'il voyait qu'une seule entrée. Oh oui, bah. Oui, je confirme. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas. Il y en a pas un qui pourrait aller dans la chambre et se barricader dans la chambre, ça éviterait déjà. D'ailleurs, j'aurais peut-être une idée un peu bête, mais. Et si on sortait après par la grande porte? Ce que je veux dire, c'est que si on prend la nana de Karakoa, qu'on la prend en otage, s'il tient autant que ça, on va la garder jusqu'à la sortie, on fera une pierre de coups, on partira par la grande porte. Nous, on sait à peu près comment repartir.
vu que Hans et Finnest l'a fait. Et tant qu'on la gardera en main, on aura un otage qu'on relâchera dès qu'on est sûr d'être sorti. Après, elle retrouvera le chemin tout seul. Oui, non, mais hey, je vous rappelle simplement qu'il faut qu'on récupère sa main. Oui, le et problème, ben oui, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Eh bien, ça va. Je fais un stop parce que vous avez coupé quand même la parole à Phil. Et je pense qu'il avait quand même quelque chose à dire. Et que bah, vous lui avez pas laissé le temps, en fait. Il suffirait qu'on aille qu'il y en ait un qui aille se barricader dans sa chambre. Déjà, il pourrait plus tirer la chasse. On aurait déjà ce problème-là en moins. On n'aurait pas de savoir par où on sort ou quoi que ce soit. Après, on peut aller chercher sa copine en otage pour et attendre le copain. Mais voilà. En soi, déjà, s'il n'y a pas de risque de se faire noyer, on a la main oui, sur. Ça, c'est une bonne idée. Qui se dévoue? Le problème, c'est qu'il est dans sa chambre en ce moment. Non, il est pas dans sa chambre. Non, il est au milieu. Il est dans la grande pièce. Ouais, il faut saboter son truc. Il faut pas que son truc fonctionne. Tu bloques la porte, il rentre pas. Ouais, non, mais après, j'ai quand même envie de sortir à un moment donné, tu vois. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on peut pas communiquer. Razor, tu as essayé d'identifier pendant ces 10 minutes, essayer de voir un autre objet, si positif ou négatif? Je vais faire l'anneau, va. Oui, peu importe, tu me fais un autre jet de mystère. Je veux bien m'en charger, vu que je ne peux pas prendre m'enfuir par le sous-marin. Alors, il est positif, lié certainement à l'eau. Il n'y a pas non plus de protection sur cet anneau. Lié à l'eau. C'est un. Une respiration aquatique. Ah, ça serait bien. Donc, ouais. Hans s'est proposé à essayer de bloquer la porte de Rimir. Bah, mais c'est quoi ce bordel? Après, il peut le défoncer, c'est ça le problème. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est Hans, c'est entre guillemets, celui qui fait le plus de dégâts. Entre Rylan qui se plante et qui fait des dégâts que quand il est sûr de pas se faire prendre et ainsi de suite. Alors Rylan est là, il te regarde, je serai là si vous attaquez la fille à 4 contre 1, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Moi, il n'y a aucun problème, moi, je suis toujours avec les copains lorsqu'on a l'avantage. Et si on essaie plutôt de saboter son le mécanisme qui lui sert à faire ça, justement. Si on l'empêche de fonctionner. Là, le truc, c'est qu'il faut arrêter la fille au plus rapidement voilà, possible. Voilà, là, maintenant... Et on a le temps pour bloquer la porte. Hein. On y va tous les... Allez, on y va tous ensemble. Bah, de toute façon, la fille, elle est dans le... Faut se dépêcher, parce qu'elle va pas rester longtemps. Bah, il faut qu'on la chope avant qu'elle vienne. Il est parti pour le laboratoire. Donc, non, bien sûr, tout ce que vous êtes en train de dire, c'était des discussions que vous avez eu le temps de parler un minimum. Mais là, vous comprenez que là, elle va rentrer dans le laboratoire et vous n'avez pas caché les corps. Là, faut la choper. Là. Bah, ouais, bah, il est à la faire. Il y en a un qui est derrière la porte et l'autre qui est dans la salle de torture. Ah oui, c'est vrai. Donc elle ouvre et elle est en train de chercher. Mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'elle a pillé le truc? Bah on y va, go. Hein. Bah ok, allez, go. Donc vous me faites tous des jets de discrétion pour éviter d'attirer l'attention. Sachant que Rylan, putain la vache, mais tout rame chez moi. Oui. Je sais pas ce qui se passe. Désolé. On le fait dans la tour. Non, là, vous montrez là. Non, vous montrez les jets, comme ça c'est plus drôle pour tout le monde. Oh, ça marche, quoi. En fait, ça s'arrête de jouer, d'accord. Écoutez, ça veut pas, la musique, ça veut pas. Alors, Rylan... Et ben, moi je les vois partir, je me dis, putain, encore utiliser un saut d'invisibilité. C'est pas le choix, parce que sinon ça va être... Alors n'oublie pas que c'est la moyenne, hein. Donc c'est pas si tu fais par exemple un 4, ce sera quand même suffisant si les autres ont fait beaucoup. Ah, je fais mieux, je fais 8, je double le score que tu me donnes. Écoute, c'est toujours mieux que rien.
Notre ami Rylan. Bah, dis donc, c'est pas énorme. Hein. 17, 18, 8, 29. Et bah, il manque Wachi. Wachi. Ah, si, Wachi, il est là. Avec 24. Ce qui fait, avec un total de fil, il a fait 17. Il avait fait 24, c'est dommage. Donc, c'est largement au-dessus de 17, je pense. 17, 18, 29, 24, même avec un 8, je pense. Bon, attendez, vous savez quoi? Hop, calculatrice. J'ai mon cerveau qui fonctionne pas. Habituellement, en calcul mental, j'ai pas de soucis, mais là, il faut pas trop m'en demander. Ça arrive. Sauf que ma calculatrice ne fonctionne pas sur Windows. Magnifique. On est à 19 de moyenne, à peu près. 19 de moyenne? Bah, c'est bon, puisque c'était 18. C'était 18, donc bah écoutez, ça passe, vous passez, et vous arrivez, vous passez la porte, tous ensemble, vous refermez la porte, la demoiselle voilà, est en mode panique, elle comprend pas, elle cherche les objets, et elle se retourne, elle vous voit tous ensemble. Tu cries, et tu finis comme les deux autres. Elle les voit pas en soi. Pas. Non, par contre, tu pourrais sortir ta fiole d'acide. Bah, t'as Rylan en fait qui arrive et qui sort l'un des cadavres et qui montre. Parce que n'oubliez pas que Rylan, même s'il a pas beaucoup d'intimidation, il fait des trucs badass. Quand il essaye de couper un doigt, il fait. Non, j'y vais pas. Non, mais j'avais très envie, hein, mais. Pff, la peur du sang, tout ça. Vous comprenez. Il a fait un jet de volonté pour toucher le cadavre au moins. Bah, peut-être pas quand même. C'est un pirate à. Non, mais vous voyez, je suis un pirate hématophobe alors. Alors, bah écoutez, vous pouvez me faire un jet d'intimidation pour voir si vous arrivez à faire baliser cette. Dans la tour ou pas ? Non, devant tout le monde. Oh, quoique, bah c'est. Oh, bah Razor, il est en train. Alors, il nous a rien dit. Razor, fais-nous un peu de RP, s'il te plaît, vu que c'est toi qui. Ouais, mais Razor, il intimide tout le monde. Vas-y, Razor, je t'écoute. Déjà, je me plante devant elle, le chapeau sur la tête. Je lui dis. Vos petites manigances archaïques de ma petite magie de bas étage ne m'impressionne pas. Le jour où vous arriverez à faire tout ce que je peux faire, nous en reparlerons. En attendant, veuillez ne rien dire et nous obéir. Donc là, vous voyez que tout le monde fait des regards assez impressionnants. Bon, pour Rylan, c'est plus 2, donc je sais pas si je l'ai... Hop. Même Rylan est impressionnant. Vous êtes tous impressionnants. Même Bochi, il essaye, il fait... Alors que le petit kobold... Si vous avez jamais vu les yeux, en fait. Aussi grognon. Hein. Donc la nana, elle fait... Oui. Ne me faites pas de mal. Vous voyez qu'elle parle très bien votre langue. Elle fait... Vous avez tout intérêt à ce que je sois sauve. Je suis du clan du sang noir. Je suis un membre de la noblesse et pas n'importe qui. Rymir, ce n'est pas seulement une personne importante avec la cabane de... Allez, princesse, amène tes mimines. Je vais. Donc, ouais, bah, vous la voyez avec ses quatre bras, sa jolie crête et tout. Je vais lui attacher ses quatre bras. Et oui, là, t'es là, tu dis, ah ouais, elle a quatre bras. Putain, ça en fait de la corde. Il y a toujours les menottes dans la salle de la côté, normalement. Exactement, vous avez des menottes. Donc, c'est bien joué, Phil. Vous pouvez au moins lui mettre des menottes en plus de la corde. Par contre, la corde, il me faudra un jet caché en escalade. Et je suis maître des cordes, je crois que je peux faire un fer 10. Ça fout, je regarde. Alors, je vais te dire juste un petit bonsoir à H qui vient quand même nous faire un petit coucou, c'est cool. On est sur bonsoir, la fin. H. Donc, vous avez kidnappé la princesse Sagouin. Elle est là. Oh, vous le paierez. Non, ne frappez pas. Pour l'instant, n'oublie pas que la salle de torture est à côté. Pour la baïonner, ça réglerait le problème. Elle aura un plus 4 au DD pour se libérer.
D'accord. Bah écoute, elle est attachée. Vous je vais faire un jet d'escalade, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous l'amenez dans la salle ou vous attendez que quelqu'un rentre dans la chambre de Rimir? Ah merde, c'est un jet caché. Oui, s'il te plaît. Déjà, on va lui demander comment empêcher la chasse de s'activer. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Allez, et c'est où dans la chambre? Bah, la chambre, elle est tout au fond. Oui, mais le mécanisme, il est où dans la chambre? Je ne sais pas où est le mécanisme. Rimir m'en parle jamais. Il sait très bien que ça m'intéresse absolument pas. Moi, tout ce que j'aime chez Rimir, c'est pas du tout ses pièges. Et enfin, un jeu de psychologie. Donc, bah écoute, Wachi, t'es là et tu fais. Je suis nul. Je comprends pas. Je sais pas si elle ment ou pas. Alors, je suis désolé, hein, mais je n'ai pas de princesse Sagouin. Hein. Donc, j'ai juste un mec avec quatre bras. C'est tout ce que j'ai. Hein. C'est la princesse, là. Oui, donc ça, c'est pas la princesse. Hein. On est bien d'accord. C'est pas ce truc-là qu'il est amoureux, Rimi. Hein, parce qu'il peut pas être amoureux de ce truc. Chacun ses goûts. Hein. Chacun ses goûts. J'aime les femmes avec des gros pectoraux et des gros bras. Oh oui. Tu la mets en rose et des petites couettes, et puis voilà. Moi, je vais sortir la baguette de contact électrique et je lui passe sous le nez. Est-ce qu'elle dit la vérité, là? Alors, est-ce qu'elle dit la vérité? Je dois jeter un décompte. Alors, j'ai de bluff, sinon c'est j'ai de... Qu'est-ce que tu sais sur ça? Sur ça quoi? Je comprends rien, vous avez bégayé. Sa main bizarre. Sa main? Bah, elle est pas sensible. C'est un truc qui l'a ramené de ses aventures, de son ancien équipage. Il a survécu à de grandes choses, hein. C'est ce qui a fait que le sang noir le respecte énormément et qu'on travaille avec lui. C'est un survivant et un corien qui sait faire des affaires et du travail bien fait. Et il a ramené quelque chose de ses aventures, quelque chose de... Pas grand chose. Il m'a dit que la seule chose qu'il a gagnée, c'était sa saloperie de main pourrie. Ah, si elle est tellement pourrie que ça, il peut nous la donner peut-être. Il a quand même quelques objets sur lui qu'il a récupérés, qui le protègent, mais c'est tout. Oh, la main sera suffisante, t'en fais pas. Là, vous entendez Rémir qui commence à arriver. Mon Kraken. Qu'est-ce que tu fous? Ça va arriver, mon Kraken. Bon, il va falloir y aller. Hein. Ah, je trouve que j'ai trouvé le bon mot. J'ai fait passer la... Mon chéri, mon sucre d'orge, mon amour, j'ai un petit souci au laboratoire à chimie. Ah, donc t'essayes de l'attirer? Non, mais je lui fais comprendre à la demoiselle, et je lui dis à l'oreille, qu'elle répète. Qu'elle doit l'attirer. D'accord, en fait. D'accord. Ouais. Donc elle essaye donc de parler. Par contre, là je vois que vous avez fait... Je vais faire un G. Donc elle comprend hein, ce que tu lui demandes. Donc tu la vois. Mon chéri, mon nounours. Il dit, j'ai quelques problèmes à trouver les objets dans le laboratoire. Tu peux me rendre invisible, Razor? Là, tu entends... Je regarde avec des gros yeux. Non. Donc vous entendez Rémi, il fait... Nounours? Ouais. Il fait « Non ! Qui a osé ?» Super. Là, vous entendez... Je crois que, effectivement... On est dans la merde. Toi. Il fait
Là, tu vois qu'elle est chaude. Et je serre sa gorge, tu vois. Il faut négocier, négocier. Non, c'est quoi? C'est pour parler, pour parler, pour parler. Là, tu vois Rimière qui fait pour parler. Allez, sortez de là. Allez, vous avez réussi un bon coup. Allez. Non, c'est toi qui vas rentrer. Ah, les amateurs. En attendant, c'est toi qui vas venir. Vous entendez, les hommes, il y a des intrus. Je vais négocier. Putain, on n'est pas bien ici. Et là, Ivorian, il fait très bien, mais certaines choses doivent être préparées. Vos amis sont en train d'arriver. Et je ne peux néanmoins pas me permettre de mettre en danger mon Kraken. Vous l'avez certes en main, mais elle risque de... Ah, les pourparlers auront lieu à l'intersection. On va avancer, on va se mettre là. Hey Hans, avant, tu pouvais pas aller donner un petit coup d'acide sur la grille là-bas? On sait jamais. Ouais. Ah, donc tu attendez, est-ce que vous êtes tous d'accord avec Hans? Vous voyez que Hans, il dit, ouais, on va faire le truc à l'intersection. Ouais, ouais, parce qu'au moins, on peut se casser. Parce que là, si on se fait là, on pourra pas jamais se barrer, quoi. Bah, il y a la grille. Et surtout, lui, il va pouvoir aller déclencher son truc dans la chambre. Ok, alors là, vous avez quand même quelques instants, vous allez me dire où vous allez faire la négociation. Et après, on arrête la partie pour que vous laissez le temps de réfléchir. Parce que c'est hyper important, là. Vous avez quand même réussi à capturer la princesse, et j'y croyais pas trop, mais vous y êtes arrivé quand même, finalement. Le truc, c'est qu'on sait pas s'il y a pas du monde dans les pièces d'à côté, quoi. Entre le moment où on était dans le labo et le moment où il y avait passé... Ah, mais il faut se mettre là, c'est obligé, parce que sinon, imagine, ça part en couille, au moins, on peut des points de repli, alors que là, dans le mal... Que la grille. Ouais, mais bah déjà, mets l'acide sur la grille, parce qu'on sait pas combien de temps ça va prendre la grille. Et puis surtout, là, c'est que là, il va nous noyer direct, alors que là, si tu mets là, il peut pas aller nous... Ouais, en fait, faudra faire un gros blocus juste ici, à mon avis, pour les empêcher de passer et de noyer tout le monde. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a des renforts qui arrivent aussi. Et que eux, les renforts aussi, ouais, peuvent se faire noyer. Si on se met tous là, on est pas mal, quoi. Même plus de ce côté-là. Les empêcher de passer à tout prix, en fait. Apparemment, je vois que Razor suit le mouvement. Non, c'est moi qui ai tout bougé. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais tu peux rester là. Moi, je reste ici. Donc vous voyez que Razor, lui, il est pas prêt, il a pas spécialement envie de vous suivre. Vous voyez que Rilan, dit, ouais, non, mais il faut pas être trop. Hein, on reste groupé. Oui, on reste groupé. Hein. Tu vois que Rilan, il essaye d'aller vers le... vous y allez à 3, et moi, je sécurise la sortie, d'accord? Moi, je suis prêt à utiliser le soin. Ouais. Non, Rilan, reste avec nous, on a besoin de toi. Il n'y a même pas d'alcool. C'est une fête sans alcool, donc forcément, c'est pas drôle, quoi. C'est plus fort. Alors, qui c'est qui a reconnu ma tirade? On a reconnu... Merlin. C'est moi pas. Claire. Camelot. Razor, lui, il est allé de l'autre côté. Donc, vous êtes à peu près à 3 pour essayer d'aller là-bas. Donc, je vous donne la scène. Vous voyez que Rémi a fait « Laissez-les rentrer !» On va faire une négociation à la pirate avec tout le monde en même temps. Donc, vous voyez en effet que les autres sont arrivés. Il fait « Ah, on a perdu de nos gars !» Il fait « C'est pas grave, laissez-les rentrer !» Vous voyez que Charles et Marlène Rouge sont arrivés. Et là, il est où, Rimia? Alors, on va dire que tout est dans la pièce, mais on fera ça à la prochaine partie, où on mettra ça bien en place, vous serez bien... on expliquera ça bien au départ et tout ça, plutôt que de le faire maintenant et que vous allez bouiller la moitié la prochaine fois. Ok. D'accord. C'est les 23h28. Plutôt que de le faire à l'arrache. Bah oui, parce que ça sert à rien, parce que c'est encore un truc de discussion. Si vous me refaites le même coup que la dernière fois quand vous avez rencontré Rémir, la partie, en effet, vous avez fait tous ces efforts pour pas grand chose.
Alors, donc, voilà. Donc, je considère que Hans, Watchy et Phil sont ceux qui ont la demoiselle entre leurs mains. Rylan, lui, il reste pas loin. Alors, il est pas dans la pièce. Vous avez essayé de le convaincre. Il fait bon, ok. Bon, je reste pas loin. Quoi. Il est pas loin. Il laisse la porte ouverte. Et vous vous sentez pas spécialement très courageux. Razor, lui, est donc dans l'autre pièce. Par contre, ce serait quand même bien, avant de finir, de savoir ce que fait Razor. Razor, ami Razor, que fais-tu dans ta pièce, dans ton laboratoire, pendant que ton équipe utilise la princesse Sagouin avec ses quatre bras, comme je disais, hein, elle n'est pas bodybuildée, hein, comme l'image. Elle est quand même jolie, elle a une paire et tout, voilà. Bon, ça reste quand même un sagouin, donc elle a un sourire carnassier. Quoi, personne ne peut aimer ce genre de truc, quoi, à moins d'être complètement taré. Mais voilà. Razor. Je prépare à mes pieds les bâtons de fumigène, l'acide, la potion de cauchemar, prêt à les utiliser en cas de besoin. D'accord. Et donc l'acide, est-ce que tu as écouté Phil pour détruire la grille? Ah bah oui, bien sûr. D'accord, donc tu peux t'enlever l'acide et la grille est détruite. Ouais, super, ça c'est cool. Et donc ok, tu t'es préparé pour la fuite. Ça marche. Eh bien écoutez, c'est la fin de la partie. On va avoir notre petite demi-heure où on pourra discuter tous ensemble, comme on avait prévu. On fera la suite la semaine prochaine, si c'est possible. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Moi, pour moi, oui. Alors, pour Phil, ça a l'air d'être bon. Razor, est-ce que ton emploi du temps te le permet? Oui, oui. Ou si tu préfères une autre date, ou j'en sais rien. Non, c'est bien, puisqu'après, je reprendrai une formation. Donc, non, le mercredi, donc, c'est bien. Ok, donc mercredi, c'est bien. Hans? Ouais. Moi, je sais que j'ai un... J'ai... Pas de 21. Oula, on t'a perdu, mon pauvre ami. Je disais que j'ai un tournoi de paddle. Un tournoi de paddle. Vendredi soir, paddle tennis. Mais ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Oui, on joue le mercredi, donc logiquement, ça devrait être bon. Oui. Donc, Watchy. Oui, ça, normalement, ça me va, oui. Ouais, ça te va. Alors, Ash dit qu'une femme avec quatre bras, c'est pas négligeable. Oui, c'est vrai. Mais bon, quatre bras avec des bras comme le mec, là... Ça reste compliqué. Hein. Et puis, des mains, c'est des mains écailleuses. Hein. Je vous raconte pas les effets que ça fait. Hein. Mais bref, tout ça pour dire merci en tout cas à Ash, à Booba, à ceux qui sont passés, que j'ai vus, qui nous ont fait un petit coucou rapido, qui sont partis. Ou tout du moins, je les ai vus passer sur le compteur. Alors oui, hein, les parties de jeux de rôle à suivre, c'est quand même assez difficile. Mais en tout cas, je vous remercie d'être passé au moins à nous voir. C'est quand même sympa.